Bonjour à tous et à toutes, ici Number et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo astuce Kama. Je sais, je vous fais très peu de vidéos en ce moment, car en même temps je joue à Arma 3 pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, si vous voulez voir des vidéos sur Arma 3, dites-moi. Donc moi je joue beaucoup à Arma 3, donc voilà. Je vais juste regarder que la cam soit bien mise. Ouais, c'est bon. Désolé, hop, c'est ça. Et ça, voilà. Donc la première astuce Kama, c'est du craft, normal. Je vais pas le faire en même temps que vous, parce que moi je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Tout simplement que là, j'ai beaucoup plus de Kama que ça, hein, c'est juste que c'est stocké dans ma maison. Donc voilà. Attendez que je retrouve la coiffe. C'est une coiffe très connue qui s'achète très très vite. Le craft est vraiment très très rentable. Alors. J'ai doublé. Attendez. Je fais cette vidéo en facecam. Et en même temps, il y a mon petit chat qui s'est incrusté là. Je sais pas si vous le voyez. Attendez. Bon, on va taper. Voilà, c'est la coiffe Royal Moot. Là, elle soit à 130 000. Je pourrais les racheter et les remettre en vente. Ouais, parce que même sans les FM, ouais, moi ce que je faisais c'est que j'arrivais, je les craftais, je les mettais à 140 000 à peu près, 140-150 000. Donc regardez, le craft il revient à 900 kama. Bon là on va dire en tout ça fait 10 000, 50, 60 000. Ouais bon ça compte 60 000, 72 000, on va dire 80 000. 80 000, 92 000. Et les cornes, ça met ce prix-là, mais c'est beaucoup moins cher. Donc ça revient à quoi? Les 45 cornes, elles nous reviennent à 5-6 000 kama, à peu près. Donc la moitié de ça, donc on va dire environ, ça nous revient à 100 000 le craft. On la revend 130 000. Au début, c'est peut-être du petit bénéfice, mais moi je faisais ça par 10. Donc je payais à peu près, on va dire, je payais 1 million et je revendais pour. Pour 1 400 000. Ouais, j'achetais pour 1 million et je revendais pour 1 400 000. Donc vous voyez que quand même 400 000 kama de bénéfice, c'est pas négligeable. Bon, après, c'est sur 10 coiffes. Hein. Les 10 coiffes, elles partaient en quoi? Je sais pas, j'irai en 2. Allez, on va dire en un jour et demi. Un jour et demi. À peu près un jour et demi, les 10 coiffes, elles sont parties. Vu que RM, ça, c'est vraiment ce qui s'achète très vite. Après, vous pouvez toujours les FM et taper de gros jets dessus. Donc, vous pourrez les vendre encore plus cher. Mais bon, le FM, la plupart du temps, ça a un coût. Donc, après, ça vous voit. Par exemple, si vous êtes sur Goultard, les deux là, vous pouvez les racheter et les remettre un peu plus cher. Je dis là, 170 000, elles vont partir. Hein. Simplement que moi, pour le moment, j'ai pas plus envie que ça. Ensuite, on va aller sur une cape. Mais cette fois-ci, c'est pas du craft. C'est. Attendez que je retrouve la cape. Parce qu'en fait j'ai essayé de la crafter voir si c'était rentable, mais j'ai remarqué que c'était pas du tout rentable. Voilà, ouais, mais ah ouais putain, là j'ai vu que le craft ici n'était pas du tout rentable, donc on va voir. Ouais bon, attendez, hop, vas-y, casse-toi. Ouais, cette cape, alors je regarde une autre aussi, c'est celle-là. Donc on va acheter celle-là. Vous voyez, 50 000 kama. Donc on va l'acheter. Et celle-ci. Ah, elle est où? Celle-ci, la capote. Ah, ben voilà, elle vient de partir. Celle-là à 100 000 kama. Donc je vais acheter celle-là à 110, tant pis. Hop, 110 000 kama. Voilà, donc là, ça fait, on a acheté pour 150 000. Je vais le faire en même temps que vous, parce que je le fais assez souvent. Donc ça peut être du gros bénéfice, mais de la grosse perte aussi. Il faut regarder sur votre serveur s'il y en a beaucoup en vente ou pas. Parce que là, moi, vous voyez, il y en avait beaucoup en vente et normalement, et vous brisez ça pour la rune PM et l'autre la rune PO. Donc voilà. Voilà, là j'ai eu 196%. Donc là, j'ai eu PM et invocation alors que j'ai payé 50 000. Et celle-là, je l'ai payé 110 000. J'ai eu juste la rune PM, mais qui est déjà très rentable. C'est la rune PM sur le serveur, je crois qu'elle est à peu près à 130 000. Donc voilà. On va regarder. Ouais, non, j'ai rien d'autre. Ça, c'est juste des vieilles runes que j'ai eu, je sais même plus comment.
Ah, même pas, non, elle est redescendue. Ah, dommage. Parce qu'elle est à peu près à 130 000, vous voyez, à la centaine, elle est à 13 millions la centaine, donc elle est à peu près à 130 000 avant. Bon, elle est redescendue, c'est pas trop grave, de toute manière, ça se vendra quand même. Simplement que pour l'autre, on n'a pas fait de bénéfice, vous achetez juste l'autre. Essayez de voir les prix les plus bas. Moi, actuellement, là, les prix étaient bien hauts. Normalement, elle se vend 75 000 avec le jet. Donc voilà. On va vendre une rune, deux runes. Et celle-là, bah, c'est juste du plus, celle-ci. Et voilà. Après, vous pouvez toujours vendre ça et ça. Mais bon, ça coûte pas bien, bien cher. Ça, pareil. Donc voilà. Là, on va plus, bah, plutôt discuter, on va dire en quelque sorte, de ma chaîne. Car je vais continuer à faire du Dofus. C'est juste qu'en ce moment, on va dire, j'ai moins envie. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je fais pas grand-chose. Comme vous voyez, c'est mon Eni Ripsa, il est 192. Je vais vous mettre son stuff pour ceux qui veulent le voir. Donc oui, comment dire, il est moins. Je sais pas, là j'ai l'impression que Dofus ça part un peu en latte avec les trophées de malades qui sont sortis là et tout. Donc je sais pas trop. J'ai envie de jouer, mais le problème c'est qu'avec mon roublard j'ai plus d'aggro. Et je sais que mon roublard j'aime jouer avec, hein. Moi j'y a plus d'aggro avec. Mon Eniripsa, ben le truc c'est que je vous fais pas trop de vidéos parce que mon Eniripsa, ce que je fais c'est que je suis en train de farmer le Ben pour essayer de le up 150. Donc voilà, il y a du farm de Ben, c'est tout. Donc, je suis pas sûr que ça va vous intéresser le farm de Ben. Ensuite, ce que je fais aussi sur Dofus, j'achète et je revends. Ça, je voudrais bien vous le faire, mais pour les autres personnes sur Gultar, ça risque bien de me casser mon truc. Même si je pense qu'il y a. Ah, non, ouais, quoique ma communauté elle est plus sur Gultar, je crois bien. Un peu sur d'autres serveurs, mais principalement sur Gultar. Donc, je vous le ferai, mais un petit peu plus tard. Et à part ça, bah, je pêche avec mon Inutrof. Car oui, j'en ai une Inutrof, bah, là vous pouvez voir. Hop. Inutrof 70. Donc voilà. C'est mon Inutrof pêcheur. J'essaie de le up 100. Et j'ai droppé à Kralamour il y a peu de temps, bah, hier en fait. Donc voilà. Au pire, si vous voulez, on va quand même aller. Attendez, ce qu'il faut. Ah ouais, c'est bon, nickel. Il faut que j'active le truc parce que moi j'ai la sécurité par téléphone au cas où pour pas me faire hack. Hop, voilà. On va quand même aller dessus sur mon roublard. Vous allez voir, il y a plus d'aggro. Hein. Même Poveglia, je crois même que lui, il a juste fait son perso puis il a arrêté, je crois. Donc voilà. Après, il y a Wimbo toujours qui continue, mais je suis même pas sûr qu'il retrouve encore des aggro. Je sais pas, je l'ai rarement en Skype donc. En ce moment, je l'ai rarement en Skype, donc voilà. Bah, sauf là. Attendez, on va avoir des items à vendre si tu veux. Voilà, bon. Là, vous voyez, à son stuff et tout. Comme je vous ai dit, j'ai niqué la ceinture que j'avais une 130. Sans faire exprès, je l'ai niqué. Je connais pas cette personne-là, au cas où, pour ceux qui veulent savoir. Il y a lui qui sont avec, mais bon, je vois pas du tout qui c'est. Je vais juste voir c'est quelle classe. Zobal. Tac. Bon voilà, je vais vous faire une petite aggro comme ça vous verrez. Je connaissais même pas cette personne, je savais pas qui c'était, donc voilà, faut croire. Si t'es en vidéo, je te laisse oui. MDR, non. Hop, voilà. Ouais, ah oui, au fait, les gars, je suis repassé grade 9. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Et comme je vous ai dit, voilà, ce que j'ai niqué, c'est ma ceinture. Sans faire exprès, j'ai voulu crafter un. Ah merde, tu braques aussi. Bon, bah finalement, pas d'aggro. J'ai voulu crafter un.
une ceinture royale parce que j'avais les ressources et tout, et en fait bah j'ai oublié que dedans j'avais mon stuff de mon roublard, donc ben il est passé pour crafter la royale et il est bug ben de même. Mais j'ai réussi à retrouver un G150, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de puissance, donc ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est déjà bien, moi j'ai déjà un assez bon jet. On va essayer de voir si on trouve pas des agro. En même temps, je vais continuer à parler avec vous. Surtout, dites-moi si vous voulez, comme je vous ai dit, du Arma 3. Pour ceux qui connaissent pas, comment on pourrait. Attendez, je suis simplement regarder que la cam soit bien calée. Arma 3, qu'est-ce qu'on pourrait dire par Arma 3? Les gens qui savent pas, on va dire en quelque sorte, c'est pas trop un jeu de simulation de guerre, mais simulation de la vie réelle en quelque sorte. Et ouais, voilà, c'est franchement un super jeu. Ben, moi je kiffe y jouer, en tout cas j'ai joué avec des gens dessus, donc voilà. Après, dites-moi si vous voulez en voir sur ma chaîne, je ferai peut-être une ou deux vidéos dessus. Je vais voir comment je peux faire. Et voilà. Ensuite, normalement, à partir de septembre, je crois bien, ou un petit peu avant septembre, je commencerai à faire normalement des lives sur ma chaîne et sur Twitch. Donc voilà. Et je ferai des lives car tout simplement, mon frère, il s'en va. Voilà, il aura son appart et tout. Donc moi, je serai tranquille avec toute la cour, au calme, on va dire. Et donc voilà. Ensuite, là, on va essayer de voir si on trouve pas une agro en même temps que je vous parle. Après, si on tombe sur l'Osamoda, je sais pas si on va l'agresser. Un Osamoda 26, je crois bien. Ah oui, et moi aussi, en même temps, je me suis un petit peu fail. Ouais, je me suis un peu fail. J'ai up 28 en fait. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Non, ça c'est normal. Voilà, j'ai up 28. Ça me fait un peu chier. J'ai pas fait exprès, c'est. Je sais même plus comment c'était. Ah oui, si c'est un gars, il est en train de battre un. Comment ça s'appelle? Vous voyez le. L'écureuil. T'es même mon grade. Ouais, ça va. Tout simplement lui répondre. Ouais, en fait, comment vous dire ça? Bah ben ça j'ai remarqué. Il est en train de se faire, ben il venait d'agresser un écureuil en pensant le battre. Il avait pris la quête, c'est un avis de recherche. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai rejoint le combat. Et en fait, ben j'ai oublié que j'avais pas ma guilde 90%, j'ai pris 100 000 XP à peu près, 100 000, 200 000. Et j'ai bien dégoûté, up 28, bon après tant pis, hein, voilà, je peux rien y faire. Simplement pour ceux qui voudraient savoir, je me suis pas up aussi haut, parce que sinon là s'il y a de nouveau, on va dire, Krat 36 ou trucs comme ça qui vont arriver, ils vont me dégrader beaucoup trop facilement. Donc c'est juste ça mon problème. Après bon, tant pis, hein, franchement ça me dérange pas plus que ça. Je me suis déjà fait dégrader une fois, vous n'en faites pas une deuxième fois, ça me dérangera pas plus. Mais voilà, c'est juste que c'est un petit peu chiant. Voilà. On va aller squatter la banque comme je fais d'habitude et on va voir si on tombe pas sur un petit mec qui passe. Cette vidéo, je vais essayer de vous faire quoi? Peut-être 20 minutes. Puisque voilà, j'ai envie de parler avec vous et comme quoi je fais peu de vidéos en ce moment. Donc voilà, je vais essayer de vous faire à peu près 20 minutes. Tant pis si l'upload me prend du temps, je la posterai aujourd'hui. Allez, boum, une agression. Voilà, voilà comment je trouve mes agressions avec Xelor. Hop. Je vais juste leur mettre le seum. Je sais qu'ils font que de chercher des aggros et que moi j'arrive, je me pointe et je tombe sur une aggro, vous voyez. Donc ils auront un peu le seum. Ah ouais, ah chaud ma pute. Ah ouais, j'ai oublié, je l'ai pas nourri en fait. Xel. Ouais, je dirais qu'il est R. On va laisser ce boubou. Voilà. Ah merde. Ouais, je me suis encore fail. Ok, bon. On va essayer de le battre. Oh non, 400 points d'hypnose. Donc vous voyez, quand je tombe sur des personnes comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire des vidéos? J'ai. Voilà. Voilà ce que le mec fait. Voilà.
Ça me dégoûte. Et après, les gens, ils se demandent pourquoi je peux plus PVP. Mais regardez ce qu'il y a. Super, j'ai gagné 112 HP. Et j'ai fait quoi? J'ai tiré un perfide. Et le mec, il a abandonné. Mais oui, mais vous voulez faire quoi? Il n'y a que des gens comme ça maintenant. Encore, même s'ils sont pas très opti. Lui, il était pas opti du tout. Je suis même pas sûr qu'il avait un stuff déjà de base. Donc voilà. Et en même temps, au passage, je viens de vendre un Gelano. Donc c'est le deuxième que je vends, 2,6 millions. Pour ceux qui vous comprennent, ben, pour certains, vous comprendrez pourquoi je vends ces Gelano. Pour d'autres, du coup, vous saurez pas. Ah, je veux son pseudo. Ok. Il s'appelait. Hop. Voilà. Je leur balance le pseudo, comme ça, ils ont envie de l'aggro. S'ils le trouvent, ils l'agressent. Donc oui, voilà, ouais, quand je vous dis il y a que des gens comme ça, bah c'est un peu chaud. Ouais, comme je vous ai aussi dit, pour ceux qui comprendront, bah, ils sauront pourquoi je vends des Gelano PAPM. Bah, vous verrez de toute manière, ça c'est plus un mystère qui sont un PAPM. Hein. À ce prix-là, il y a que les PAPM. Après, voilà. Ah ouais, chaud la note de satisfaction. Perso, moi je joue pas du tout dommage, donc voilà. On va juste nourrir la pute. Parce que j'avais envie de la passer 90, mais j'ai pas trouvé, donc voilà. On va quand même aller voir, je vais souvent voir à la map mule en quelque sorte, si on peut appeler ça cette map. Je vais souvent voir là-bas parce qu'il y a souvent des mecs qui vont se faire muler. Lui, je me rappelle, lui c'est un bon tas TBL. Ouais, il a dû venir se faire muler, je pense. Il y a souvent des gens qui viennent se faire muler, donc c'est pour ça que je passe souvent sur cette carte. Hop. Donc là, comme vous voyez, il me dit chanceux et tout, bah en même temps c'est un peu normal. Ouais, j'arrive pas à la passer 90, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Voilà, je donne à Grail, va devenir obèse encore. Je comprends que Dallas de pute, mais bon, c'est pas grave. On va simplement lui donner un peu de poudre d'Enerypsa, puis je pense que je vais arrêter la vidéo là. Donc voilà, je vous aurais dit tout ce que je fais en. Actuellement, je suis surtout sur Arma 3, donc dites-moi si vous voulez du Arma 3, dites-moi ça dans les commentaires et je pense que j'en mettrai peut-être un peu sur ma chaîne. Après, c'est comme vous voulez, hein, bien évidemment. Je suis simplement. Ouais, moi je peux en faire s'il y a besoin, donc voilà. Moi j'aime bien jouer comme je vous dis, donc je vais voir ça. Donc voilà, pour le moment le rythme de mes vidéos, je pense qu'il va rester comme ça, peut-être une toutes les deux, tous les 2-3 jours. Sur Dofus, peut-être sur Arma. Bah, si je fais sur Arma 3, il y a moins que j'en fasse plus. Mais sur Dofus, pour le moment, j'ai pas grand-chose, donc je vais vous mettre aussi les agros que j'ai. Bah, les dernières agros que j'ai faites, simplement que je les ai pas. Comment vous dire? Je les ai pas mises en. Bah, de 1, je les ai pas mises en ligne, et de 2, elles sont encore dans mon dossier, donc faut encore que j'aille les chercher. Mais oui, j'ai rack des aggros, simplement que je les ai pas mises vu que j'en avais pas 4. Donc d'un côté ça faisait un peu fail à la série. Donc voilà, donc je verrai, je vais vous les mettre. Si j'arrive à en trouver une dernière, ben je vous les mettrai. Et voilà. Par ça, on va simplement voir. Souvent je vais voir animaux pour ceux qui veulent savoir et qui veulent faire des aggros. Vous regardez animaux vite fait s'il y a personne. Des fois, vous pouvez aussi squatter animaux parce qu'il y a souvent du monde qui passe. Donc voilà. Ou sinon, ce que je vais aussi souvent, c'est la banque. Donc voilà. Je regarde à la banque aussi s'il n'y a pas des gens. Il y a souvent des passants bon tas. Et s'il n'y a rien, bah, vous faites comme moi. Vous allez à la banque d'Astrub et vous squattez, vous attendez. Puis, vu qu'il y a souvent des gens qui passent, autant HL que TBL, bah voilà, vous avez juste besoin d'agresser. C'est pas bien bien dur, faut simplement avoir un PC qui rame pas trop. Sinon ça va être chaud de cliquer sur eux en fait, c'est juste ça le problème. Et sinon voilà, par ça je vais vous laisser là les gars. Je vais simplement vous remercier surtout pour mes 61, si je dis pas de conneries, c'est bien ça, 61 abonnés et à peu près 2500 vues. Donc voilà, je trouve vraiment c'est énorme. Et surtout je vous remercie pour ça. Je vais bientôt refaire un concours, je tiens quand même à vous préciser, sur Dofus, je vais bientôt refaire un concours. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je fais des concours. Là, tout dépend, je pensais en faire un par mois, mais finalement, non, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Même certains abonnés m'ont dit non, c'est un peu trop. Donc voilà, j'en ferai pas un par mois. Je vais voir combien je vais en faire à peu près.
et je vous lancerai ça. Comme vous voyez, on se planque ici, juste là. Attendez. Hop. Voilà. Et comme ça, ben, quasiment personne nous voit. La plupart du temps, c'est mieux de se mettre nos stuff. On nous voit encore moins. Voilà. Et comme ça, ben, les gens ils passent, puis on a juste besoin d'agresser. C'est pas dur. Bon, lui, il a PVP Xelouf, mais. Il a pas l'air de faire un PVP, mais bon, c'est pas grave. Ce serait cool là que je trouve une deuxième petite aggro. Comme vous voyez, c'est comme ça que j'ai eu quasiment un grade, deux grades. Ben, je reste là. Je reste là-haut, puis j'attends. Puis tous les gens passent et voilà, j'attends, j'agresse. Après, je fais un peu pareil à Bonta. Bonta, je me cache autre part, puis ben, je fais pareil, j'attends. Puis tous ceux qui passent, ben, je regarde s'ils ont des ailes, s'ils en ont, ben, j'agresse. Peu importe le niveau, peu importe le stuff, j'agresse. Voilà, c'est tout. Donc après, voilà. Moi, je pourrais jamais vous dire autant, mais merci. Je vois pas quoi vous dire de plus. Merci. Le concours va bientôt arriver. Vous en faites pas. Là, on est le 2. Moi, je suis encore en vacances une semaine. Un peu plus d'une semaine encore. Je vais faire le concours pour le camp. Au pire, lundi. Ah ouais, mais non, ça va être chiant pour vous, ça. Ça va être chiant pour vous, parce que ceux qui pourront pas voir la vidéo, qui sont en internat ou des problèmes comme ça va être chiant. On est vendredi. On est vendredi. Au pire, ouais, je ferai le concours. Bah plutôt, je vais poster la vidéo du début du concours dimanche. Je vais essayer de poster vers dimanche matin. Et à peu près dimanche soir, je pense. Non, non, bah non. Il va se terminer une semaine après. Donc je vais le terminer, non, même pas un peu moins d'une semaine, je vais le terminer samedi. Donc voilà. Je le commence dimanche, donc dans 2 jours normalement. Ouais, dans 2 jours. Ou peut-être dans 1 jour, je sais même plus quand on est. Vous voyez à quel point, attendez, j'ai regardé vite fait. Ah ouais, non, on est samedi. Ah oui, bah donc je le commence demain. Je commence le concours demain matin à peu près. Je posterai la vidéo. Et ben voilà, je laisserai jusqu'à samedi prochain. Donc samedi prochain, j'ai encore regardé le calendrier, on sera le 9. Voilà. Donc je vous laisserai jusqu'au 9. Je poste la vidéo de demain, j'oublie pas. Voilà. Donc les gars, moi je tiens simplement à vous remercier, à vous dire de continuer à liker, commenter, partager et abonnez-vous les gars, ça fait super plaisir. Et voilà, je peux simplement vous dire merci, à vous dire à plus les gars, c'était Number. Salut!